festive, elle est une chante contre toutes les gens bien pensantes. Elle corrompt, elle ment et elle vole, tout en prêchant la bonne parole. On a créé la chanson Polisson pour les dénoncer, c'est cette air qu'on fredonne. Mais TF1 n'aime pas que l'on fasse plus d'audience que. Non, son public n'aime pas que l'on dise tout haut ce qu'on pense d'eux. Tous les manants acceptent leur loi, sauf l'ULB, ça va de soi. À la FIFA sans un contrôle, Blatter finira pas en tôle. Pendant ce temps, la Platini fin, son ignorance sur son butin. J'suis pas au courant de tous ces pots de vin. 150 millions, c'est pour ma salle de bain. La Coupe du Monde sera pour vous, seulement si vous me donnez des sous. La Coupe du Monde sera pour toi, seulement si tu votes pour moi. Tout le monde semble surpris, sauf chez VOE, y'a pas de soucis. Dans nos pays, pendant ce temps-là, Daesh recrute à tour de bras. Nos jeunes Belges, pour chair à canon, sont donc privés d'éducation. Qui fera la guerre à l'endoctrinement dans nos classes d'école plutôt qu'au Pakistan? Il est grand temps de s'insurger contre toutes ces atrocités. Il est grand temps de se lever pour sauver la libre pensée. Poutine tout seul fait le ménage pour balayer tous ces sauvages. Embarqués sur de frais esquifs, ils n'ont que leur bite et leur canif. Tous démunis et réfugiés arrivent en Europe par milliers. Mais que font donc tous nos politiciens, à part visiter le parc Maximilien? Marine Le Pen et la Hongrie ferment leurs frontières comme leurs esprits. En Allemagne, Angela ne pense qu'à la Grèce et toutes ses créances. Où est donc l'Europe unie? L'idée de Churchill est-elle partie? Comment se porte notre chère Église? Elle s'est calmée, qu'on se le dise. Elle a tout de même bien étouffé pendant des siècles la vérité. L'Église s'est peut-être modernisée, mais au Vatican, c'est toujours le merdier. Ils n'ont toujours pas le droit de s'unir, ça les empêche pas de se faire jouir. Mais l'Église est devenue logique, comme disait un prêtre catholique. Être homo, c'est dégueulasse. Mais pédophile, moi je trouve ça classe. Ces quelques vers font réfléchir sur la noirceur de notre avenir. Les paroles valent moins que des actes, mais elles ont au moins un impact. Le chant sera notre plus puissante arme. L'obscurantisme vert sera ses ultimes lames. Alors rassemblons-nous mes frères, claquons ensemble les verres de bière. C'est à nous de changer de main, la lumière nous montre le chemin. Levons la tête de nos écrits, que retentissent tous nos cris.